Donc fermez la porte s'il vous plaît, ça c'est pour les chats qui viennent pisser partout. Ça c'est la salle de bain. Avec la table de Pink Floyd, j'ai l'impression qu'il y a... écoute, ouais, voilà, la salle de bain plutôt précaire, mais avec une vraie douche déjà. Et un magnifique portrait de saucisse dans un sabot. Ouais, un magnifique portrait de saucisse dans un... dans une bouche. Dans une bouche. Ah ouais, j'ai pensé que c'était un sabot. Ouais, non, c'est une bouche. Ici, ben... attends, attention de ne pas vous prendre un coup. Voilà, ici, voilà. Ici, pièce assez quand même intéressante. Mais encore faut-il de la lumière pour la voir. S'il faut vraiment, je peux essayer d'allumer, mais... Voilà, c'est un lieu aussi important, parce qu'avant, plutôt pris comme espace souvent de stockage, ici c'est devenu un lieu permanent d'atelier, de travail, de représentation parfois, mais très rarement vu l'étroitesse. Mais en tout cas, c'est le lieu où les troupes... l'atelier adulte répète. Parfois les ados viennent répéter ici, puisqu'on a une troupe ado, une troupe adulte. On a un atelier adulte, mais pour l'instant qu'on a arrêté parce que ça faisait trop de monde, à un moment donné, on pouvait plus gérer. Mais en tout cas, c'est un lieu. Voilà, il y a le comité de lecteurs qui vient aussi ici, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet endroit. Et puis c'est un endroit de travail pour les résidences, évidemment. Très 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 vétuste. J'ai jamais croisé de rat, mais un jour ça viendra. Mais bon, c'est. Entre ça et rien, on va dire qu'on a préféré ça, mais c'est vrai que là, on est vraiment dans du sommaire de chez sommaire. Ça fait un peu... Cote. Ça fait un peu cote, ouais. Ça fait un peu cote. Moi, j'appelle ça un squat, mais voilà, avec des choses qu'on a récupérées à gauche. Tout va être mis à neuf ici. Ouais, tout va être mis à neuf. Avec ici, quand même, la chambre de princesse, qui n'est pas à négliger. C'est l'endroit pour lequel certains sont prêts à se battre pour dormir, puisque un évier... Vue sur les jardins, donc grand calme. Mais donc tout ça va être rénové, en tout cas au niveau châssis, isolation, plafond, et puis justement plus de sanitaire. Tout l'immobilier en grande partie qui a été récupéré, on essaie quand même que ça soit confortable, quoi, que c'est pas, ça soit pas non plus invivable, soyons clairs, mais voilà, avec des moments où la mérule a attaqué la maison, donc il a fallu tout virer, mais tout ça est sain maintenant. L'idée, c'est de garder la structure, mais juste de vraiment rénover avec une vue quand même incroyable sur le ring. Les chambres avec vue sur ring sont fort prisées aussi. Endroit assez... Moi, j'adore, hein, mais on peut ne pas aimer, mais moi, j'adore. Avec la vue sur les terrils, la tour interbéton qui... va malheureusement disparaître. Mais pour faire place, il y a tout un nouveau projet immobilier qui va voir le jour. Bon, ici c'est la pièce plus ou moins interdite. Là, normalement, on ne loge pas ici, sauf si vraiment on est dingue, mais... Je sais pas à quoi ça sert, ça. Il y en a une marre. Et puis là, c'est le défouloir. Le grenier. Le défouloir ? Ouais. Le grenier, ou parfois en journée, t'en as vraiment marre, tu te dis, oh putain, tu peux commencer à venir un peu te... Ah, tu te défoules et ça calme bien. Il y a déjà eu des représentations ici aussi de petites formes. Et là, ils ont installé un sac pour... quand tu dis là, ça va pas, il faut que je me défoule, que j'évacue. C'est fait pour. Donc quand je sens que quelqu'un est stressé, je dis va au grenier, va te calmer. Le domaine. Et on n'ira pas au numéro 12 parce que là par contre il y a vraiment des rats. Donc ça, j'irai pas. J'irai.